invité au restaurant. Mangez ta tête. Alors, c'est ce alors je vous explique. Non, moi, je parle d'abord. Il m'a fait croire que Kevin et Carla venaient manger avec nous. Et au final, Kevin et Carla, ils sont pas là. Donc, on se retrouve que tous les deux. Mais c'est normal. J'essaye de mettre toutes mes cartes de mon côté. Vas-y, Kevin et Carla, ils mangent avec nous et en fait, il n'y a personne d'autre que lui. Ah. Un vrai menteur. On l'allume, cette bougie, ou on l'allume pas? Tout ça pour être au restaurant qu'avec vous. On l'allume, cette bougie. On l'allume. Qui les coucou. Ça va, ça va, ça va, c'est moi qui invite, ça va, ça va. Ah oui, c'est toi qui paye. Comme d'hab. Oh, le menteur. Ah, ça, c'est pas vrai, ça. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne soirée hier soir. Nous, ça va, on a bien rigolé. Et là, ce matin, je me lève de pas bonne humeur parce qu'en fait, je suis encore plus bloquée que j'étais déjà hier. Alors hier, j'étais bloquée, mais un truc de ouf, genre presque je pouvais rien faire. Mais là, c'est que je suis vraiment bloquée, c'est-à-dire que quand j'avale, ça me fait mal et ça me tire tout dans la nuque jusqu'à mes omoplates. C'est une catastrophe. Donc là, je pense qu'on va aller à la pharmacie, essayer de prendre quelque chose. Hier, j'ai vu une ostéopathe et là, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Voilà. Hier, je pense que j'ai trop fait de grands gestes au restaurant, j'ai trop fait la folle. Et voilà. Elle a fait la petite frange, c'est là qu'il pense, c'est là qu'il pense.